et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 1er décembre, nous allons donc ouvrir les premières cases. Sauf qu'Eliora vient de me dire qu'elle avait déjà mangé la première case de son calendrier. Et je peux savoir quand est-ce que tu l'as mangé? Bah maintenant. T'as pas attendu? Je sais même pas s'il y avait dedans, c'était quoi? C'était un petit cœur, c'était ça. Ah, c'était un petit cœur. Mais t'es une coquinouche. Rachel, c'est à toi d'ouvrir ta case. Il en reste que 4. Non, ça c'est celui de papa, toi t'as le petit train. Viens. La case 1. Oh, moi, ça va m'amener. Alors, c'est celle-là. Je te l'ouvre, Tara. Pourquoi tu filmes pas? Si, je filme. Ah oui, je suis bête. Tiens, Rachel, la première case de ton calendrier. C'est un truc que... Je ne veux pas savoir. C'est un mini Kinder. Ouais, je veux bien manger ma chérie. Non, tu donnes à ta sœur. Non, elle aime pas le chocolat. Non, quelle? Tu veux le goûter quand même avant de dire de le donner à ta sœur? Mais Tara, toi t'es toute folle, on vient de sortir, t'es toute folle. J'ai mangé. Non, tiens, c'est pour toi ça. Et quoi le bilan? Goûte, c'est trop bon. C'est au chocolat. Non. Bah, y a que des chocolats dans les calendriers. Ensuite, papa, t'ouvres ta première case? Pas du tout. Et bah, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir pour papa. Je mange 3 chocolats. Elle est là, la première case. Je mange 3 chocolats le matin. Ça m'étonnerait, madame. Mais si? Bah non. C'est la même chose pour papa que pour Rachel? Ah! T'as le même. En fait, je blague. Tu sais qu'en plus, il a dit qu'il allait pas manger les chocolats. Oui, il les mange. Et moi, j'ai mon. C'est à mon tour. Oh, toi, t'as trop de chance. Ça va être trop savoureux. Si je pense que. Si un jour je pourrais goûter un de ces trucs, je vais. Une de mes madeleines? J'aurais envie de te dire. Même pas en rêve. Si. Pour une fois que j'ai un calendrier. Okay, la manette. Et t'en as déjà eu un avec des boules de Noël de Mickey de. Bah, enfin, c'était toi qui le faisais. Alors, la numéro 1, elle est là. Je suis jalouse déjà, je sais même pas ce que c'est, je suis jalouse. C'est une madeleine avec du chocolat. Ça va être mon petit déjeuner. Mais... Trop bien. Il y a pas la pizza. Il y a pas écrit dessus ce que c'est comme madeleine? Non, c'est surprise à chaque fois. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette madeleine? Mais c'est trop bon. Je pense qu'il y a, de l'orange avec. Avec bon. Des zestes de allume. En fait, c'est de la confiture de fraises dedans, c'est trop bon. Bon, du coup, les filles sont pas à l'école ce matin parce que une nuit très compliquée pour tout le monde. Même pour Tara, ça a été compliqué sa nuit. Du coup, j'essaie de me reculer un peu parce que sinon, c'est vraiment un gros plan. Tara m'a fait flipper ce matin... toute la nuit. Vraiment, quand je dis toute la nuit, c'est tout. La nuit, à part un moment, parce que quand j'ai découvert que c'était elle, et je suis allée aux toilettes parce que j'ai vu qu'elle était réveillée, et je voulais pas aller aux toilettes parce qu'il y avait Tara, elle aurait pu me faire je sais pas quoi. Ouais, moi, tu penses qu'elle peut te faire quoi que ce soit, Tara? Non, mais tu vois, si je la vois pas, ou. Ah, t'avais peur de l'écraser, toi? Ou si elle me voit quand même, ou elle croit que je suis une personne. C'est papa qui l'a. Tu vois? Ou ta soeur qui va manger, je pense. Oui, tu tousses. Oui, quoi? Bon, en vrai, elles sont fatiguées. Oh là là, je me gratte. On va pas à l'école, maman. Du coup, je saigne. Tu dis, on va pas à l'école. Alors aujourd'hui, on reste au chaud, alors? Oui. Va falloir venir avec moi pour promener Tara tout à l'heure. Hein. Oui, je m'en fiche. À part si Rachel m'écrase. Il faut... Bon, de toute façon, on est KO. Eliora, elle parle beaucoup, mais elle est KO aussi. Hein. Ça se voit, elle est toute blanche. Demain, en plus, il y a la sortie scolaire. Hein. Ah oui, demain, je vais y aller. C'est mamie qui vous emmène au musée du Quai Branly. Je suis là. Voilà un petit peu pour le résumé de cette nuit catastrophique. Même Loïs est malade quand je suis allée promener Tara, là, je suis passée à la pharmacie. Je lui ai pris de l'actifet jour et nuit parce que du coup, il a quand même des choses à faire. Moi, je vais prendre un bon aspégique là ce matin. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Je vais regarder mon planning aussi, mais j'ai des choses à faire pour le travail. Taratata, tu vas arrêter de manger mes chaussures, c'est compris? Les filles, vous allez jouer dans la chambre? On est des prisonnières!
Je Ouais, ok. Défaisez-moi les menaces. La prison. Défaite. Eliora, Eliora, mon amour, comme vous êtes prisonnière, vous allez faire votre lit. Non. Si, 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 si. Non. Si, 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 si. Ça suffit. N'importe quoi, allez, faites votre lit. Faut que je débarrasse tout. En plus, j'ai Loïs aussi qui est malade, donc il bosse dans la chambre, mais il est au bout de sa vie, on est tous ça. 1er décembre, on est tous KO. Si on m'avait dit que le 1er décembre, on serait tous comme ça, je pense que je serais restée au mois de novembre. Voilà. Allez, il faut que je me motive, que je range, et après je vais aller m'habiller, me doucher, me coiffer, me maquiller, nettoyer ma peau avant parce que j'ai des boutons, parce que j'ai mes règles. Voilà, et après il faudra que je débarrasse la cuisine aussi, que je prépare le déj. Je vais pas arrêter quoi, ça va être fantastique. Ouais! C'est génial! C'est pas possible, c'est pas possible. Tara, tu fais quoi? Non, tu la laisses sur moi. Allez, sors de là. Non, parce que si elle tombe de toi, elle peut se faire mal. Allez, viens. Allez, viens, Tara. Allez, viens. Allez, viens, mon chien. C'est bien, c'est bien. Tu donnes pas bravo. Parce que... bravo. Parce qu'elle peut venir. Bravo. Bravo, ma douce. Oh mon cœur. T'écoutes quand maman elle t'appelle? C'est bien. Tu sais, c'est important. Hein, c'est important. Hein. Mmh. Allez. Tata, ici, tata, ici. Qu'est-ce que tu fais? Mais je m'ennuie. Bah, tu veux aller à l'école? Non. Bah alors? C'est encore plus ennuyant. Écran. Non. Pendant que tu prépares un bah, manger. Va jouer avec ta soeur, regarde, elle non, t'appelle. Non, je veux pas jouer avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle appelle Tara et pas moi. Maintenant, il faut que j'attaque le rangement de la cuisine, mettre le lave-vaisselle à tourner et préparer le déj. Thank you.
quand il est quasiment 19h, on va dîner là. Clairement, c'est pas du tout la forme. Loïs on a échangé, je suis allée dormir une bonne partie de l'après-midi. Rachel aussi, elle a dormi sur le canapé. Après tout, j'ai une migraine et tout. Enfin, de toute façon, j'ai une sale tête. Hein. C'est pas, c'est bien, c'est un 1er décembre comme ça, on est content. On est content. Bah, on remarquait. Hein. Non. Plus vite on passera par cette phase, plus vite ce sera terminé, on sera tranquille ensuite. Il y a Eliora et Tara qui arrêtent pas de jouer depuis tout à l'heure, c'est trop rigolo. Oui, en fait, je suis une sorte de fourrière. En fait, on appelle ça, mais c'est pas la fourrière. Non, c'est pas la fourrière. Pas la fourrière. Alors. Et là, on attend, on a commandé Asiat. Parce que ce midi, j'ai fait à manger, mais là, je crois que j'ai de la fièvre, donc j'ai pas la force. Et quoi? Donc j'ai commandé des nems, des trucs comme ça pour toute la famille. Rachel voulait absolument des comment ça s'appelle, des raviolis vapeur à la crevette. Elle va goûter, ce soir elle va adorer, ce soir elle va détester. Maman, la crevette elle est là. Il y a trop faim. Elle regarde du coup où est-ce qu'elle a livré. Mais il attend toujours. Tu vois? Une fois elle a eu de la chance. Elle regardait par la fenêtre, elle a vu mamie direct. Oh. Ah oui, c'était hier ça. Maman. Oh là là. Bon. Il n'est pas éliminé. On se reprend tout à l'heure. Heureusement que j'ai fait un peu de ménage ce matin parce que je n'aurais pas été capable de le faire ça après. C'est pas la forme. Et vraiment, je déteste être comme ça, c'est contre-productif. En plus, j'avais du travail aujourd'hui. Je vais bosser. Oui. Et ben là aussi, après c'est contre-productif. C'est hein. Autant vous dire que bosser malade, c'est pas du tout une bonne idée. On ne sait jamais pour les puces. Allez, il est 20h37. Les enfants sont au lit. Loïs est au lit. J'ai promené le chien. J'ai débarrassé la table. Mais elle, elle fait que des bêtises. Elle fait que des bêtises, Tara. Tara. Pourquoi tu fais que des bêtises? Là. Pourquoi tu fais que des bêtises? Moi, j'ai pas envie que tu me lèches parce que tu te lèches les fesses. Et après, tu veux me lécher le visage. Mais non. Mais non. Est-ce que ça se fait, ça? Non, ça se fait pas. J'ai une migraine. Je pense que j'ai de la fièvre. En fait, d'habitude, on n'est pas malade en même temps avec Loïs. Mais alors là, vraiment... Heureusement qu'il m'a laissé dormir cet après-midi. Parce qu'il avait son match. Mais alors là, non. Non, j'ai envie de dire stop, niette, basta. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de sommeil. Et Rachel est en train de chouiner et d'appeler. Parce qu'elle ne veut pas dormir toute seule. Sauf que là, elle doit s'endormir toute seule. Clairement, c'est pas possible autrement. On est beaucoup trop fatigués là. Du coup, voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant. Désolée, c'est pas un vlog de ouf hyper intéressant. On commence le 1er décembre malade. On a connu mieux, on a connu vraiment vraiment mieux comme ouverture de Vlogmas, mais je pense que vous voyez que mes yeux sont littéralement en train de se fermer à cause de la migraine, donc je vais aller me coucher, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog, j'espère que demain je serai en grande forme. Bye bye.